prolétaire, c'est quelqu'un qui est exploité et qui l'a compris. Le prolétariat ne peut être lui-même le pouvoir qu'en devenant la classe de la conscience. J'ai lu la lettre au parti communiste polonais de Kuron et Modlievski. Elle confirme notre critique du mouvement. Évidemment, c'est pas mal, mais ça suffit pas. Rien ne sert de pleurer. Les mauvais jours finiront, foutre Dieu. La commune, Nicolas. La commune n'est pas morte. Voilà, c'est reparti. Une fois n'est pas coutume, je me lance dans un travail assez laborieux, comme j'ai pu le faire pour les ouvertures de jeux, ou pour Shinobi, fut un temps. Mais ici, ça sera encore plus long, pour le coup. Pour ceux qui auront le courage de suivre, je vais parler dans plusieurs émissions d'un genre Madeleine, pour moi, le jeu de combat, et du coup, un peu beaucoup aussi du Japon. Cette série sera composée de podcasts au long cours, divagant comme à l'habitude, à l'enregistrement et au montage un peu simplifié pour en alléger le travail, avec au besoin des images fixes, longues, ou même du noir si je considère que l'image n'est pas utile à tel ou tel moment. Là, au moment où j'écris ce petit rajout, les émissions sont pour la plupart montées, et je peux déjà dire que je ne suis pas satisfait du résultat. J'en vois les limites et les simplifications. Il y a aussi sans doute des erreurs ici et là, parce qu'il y a de la recherche bien sûr, mais je travaille aussi beaucoup de mémoire. Donc n'hésitez pas à me signaler des ratés. Il y a aussi sûrement des interprétations ubuesques dont je continue de faire le choix de ne pas me priver, que je trouve utile en termes d'imaginaire créatif, mais globalement, malgré la très longue durée de certaines émissions, j'ai le sentiment d'avoir sous-exploré le sujet, qui est immense, mais même ce que j'ai choisi d'en traiter ne va pas assez au fond des choses. Il y a des raccourcis, notamment s'agissant du Japon. Bon, je m'arrête là pour les états d'âme, et tout ceci étant dit, j'y ai passé beaucoup de temps, donc je les poste quand même. Cette première vidéo sert donc de présentation, avec quelques réflexions générales sur le sujet et sur la politique du Cool Japan. Les deux suivantes parleront d'animation japonaise et du jeu Game of Chance. On peut les sauter si on veut, mais elles sont pas hors sujet parce qu'elles donnent des pistes de lecture pour le jeu de combat. L'émission 4 parlera des personnages, la 5 des décors, la 6e des représentations du jeu de combat non japonais, la 7e d'images des femmes, la 8e de Capcom et Street Fighter 2, et la dernière sera un montage d'images et sons de jeux de combat principalement non évoqués dans les autres vidéos, une sorte de petite balade dans les images foisonnante de ce genre vidéoludique. Les trois premières émissions seront montées économiquement en images, les autres sont beaucoup plus fournies et nécessitent parfois vraiment l'image pour être comprise, notamment celles sur les personnages et surtout les décors par exemple. Je conseille de les regarder dans l'ordre. L'émission sur la misogynie en jeu de combat emprunte des choses de l'émission précédente, sur le jeu de combat non japonais, notamment chinois, qui, elle, se nourrit d'éléments vus dans la partie précédente sur les décors, et la partie décors va assez de pair avec la partie personnage, précédente encore, donc je conseille vraiment de les suivre dans l'ordre, sachant encore une fois que les trois premières, dont celle-ci, ne rentrent pas vraiment encore dans le sujet du jeu de combat, mais parlent peut-être plus du cadre duquel le jeu de combat peut émerger, de ce qui l'entoure. Alors certaines émissions seront très longues, je crois, et je vais essayer, sur la bonne recommandation d'un ami, de les chapitrer un peu pour en rendre le contenu plus lisible et pouvoir y faire des pauses sans avoir à les lire d'une traite. Je sais que la longueur peut déranger certaines personnes, mais je n'ai pas la force de subdiviser tout ça en une trentaine d'émissions, donc je m'excuse, et j'espère que ça sera quand même regardable. Voilà, vous savez tout, on peut y aller. Jeux de combat, versus fighting et beat them all, beat them up, on peut débattre des appellations, mais le jeu de combat avancé ou en duel m'ont assez passionné pour que je note beaucoup de choses dessus, que j'en fasse des graphiques, certains qui ont 10 ou 15 ans, plus très à jour. Bref, j'ai eu une fascination pour ces disciplines, et avec cette série d'émissions qui ne reprend, une fois n'est pas coutume et c'est dommage, quasiment aucune de mes vieilles notes, je vais essayer d'explorer un peu le jeu de combat un contre un, c'est-à-dire le versus fighting. Dans mon parcours, la création japonaise compte pas mal, et si je pose un regard critique sur un des fondamentaux sociaux, culturels nippons, sur plusieurs fondamentaux socioculturels nippons,
ça n'enlève rien à mon intérêt pour ce pays, qui est certainement fou à sa façon, comme n'importe quel autre pays d'ailleurs. N'ayant pas un regard idyllique non plus sur le jeu vidéo, j'ai envie d'explorer un peu ce domaine envers lequel j'ai peut-être aussi un certain nombre de regrets, le jeu de combat donc. Alors le jeu de combat est-il mythe, érotisme brut, vision géopolitique du monde, partition musicale, fashion victime, objet tactique, figurine à jouer, petit soldat de plateau de stratégie des guerres napoléoniennes, voilà, tout ça je sais pas, mais j'apprécie d'autant un jeu si le discours que j'y perçois me parle. Peu humaniste, réactionnaire, misogyne, le jeu de combat tombe vite dans ses travers et a peut-être achevé de lui-même mon goût du genre, n'arrivant plus à apprécier le culte du dépassement malgré un panache ou une débauche bonbon criarde qui fait parfois encore effet. Si j'ai toujours de l'affection pour certaines franchises par-delà leur créativité systémique, c'est peut-être que les mondes qu'elles décrivent me paraissent moins laids, consensuels ou clichés que d'autres. Mais c'est aussi peut-être juste la nostalgie qui parle, bref. Le jeu de combat a été un genre roi des années 90, un temps moins fréquenté puis revenu en force, en tournoi notamment, peau neuve, devenu symbole de l'e-sport, lui-même plus intégré, plus considéré, son image sulfureuse de mauvais garçon, à l'instar du beat'em all, a reculé, devenu comme il faut ou presque. Eh bien, je veux me demander ce qu'a à dire cet être supposé beau et bon que j'ai consommé et aimé. Je vais donc explorer quelques pistes et hypothèses géopolitiques, historiques et représentations au fil de plusieurs émissions. Et pour commencer, essayer de voir un cadre idéologique japonais traditionnel qui nourrit au fond, je crois, le jeu de combat entre autres. Sur internet, on fait la part belle aux mécaniques en jeu de combat, à l'enjeu théorique et sportif que le genre constitue, qui est passionnant. Mais je vais ici me concentrer sur les représentations, y compris de jeux que j'aurais peu ou pas joué, en étudiant au possible leurs personnages, décors, histoires, etc. Bref, je vais me focaliser sur ce que d'aucuns appelleraient l'emballage du genre. Cette question des représentations pouvant alimenter un sous-texte géopolitique, il faudrait l'explorer véritablement en profondeur, sur un panel de jeux exhaustif au possible, mais je ferai ici juste un long survol. Il ne s'agit que d'hypothèses, d'interprétations, et je m'excuse des faiblesses, des limites de mes recherches ou des éventuelles approximations. Tout ça n'est qu'un point de départ, un chemin de pensée ouvert, et non une conclusion. D'abord pour moi, c'est le folklore visuel plus que l'aspect tactique du genre qui attire les joueurs en masse. Proche du film de combat, débauche d'animation spectacle, le punch qui vend du Van Damme, en particulier à des époques où ce genre incarne une quintessence 2D dessinée à la main, décors lourds, personnages animés en animation traditionnelle, façon série télé type, incarnation du jeu sans tile, marque visuelle de tout un jeu vidéo composé d'éléments répétés. Au contraire, ici, en jeu de combat, tout semble vivant, visuellement plus charnel que les autres genres, y compris visual novel, point and click, à l'illustration convaincante, mais rarement la vivacité cinétique d'un jeu de combat. En jeu de combat, il y a l'animation percutante, le contrôle en temps réel et l'action riche, avec quelques jeux comme Saga Frontier 2, Elemental Gimmick Gear et consorts modernes, type Jotun, Cuphead. On incarne le dessin en jeu vidéo, dessin animé transvasé, interactif sans la lourdeur du film interactif. Bref, le jeu de combat, c'est un roi du pétrole. Exubérance visuelle du shoot'em up, richesse cinétique du dessin animé ou film interactif, richesse des décors de point and click ou visual novel, le tout dans une proposition vive qui se passe de mots et semble aller d'elle-même, théâtre cru en face à face. Entre perte de repères, folie des contrôles, puis exactitude des manipulations, savoir-faire, initiation, les queues infinies aux bornes d'un Street Fighter 2, il y a donc eu à un moment les éléments nécessaires au phénomène de société. Aujourd'hui, tous ces outils de séduction, sans être désuets, se sont beaucoup répandus et ne suffisent plus à faire son exception. Le genre doit donc partager sa gloire avec plus gros poissons, MMO, open world, Doom-like, actionneur, etc. La représentation d'un jeu, on la regarde sans la voir forcément et ce que le jeu de combat exprime au détail me semble peu exploré. Quand on débute le jeu de combat, on comprend ce qui se passe explicitement, mais on ne comprend pas le squelette tactique, imperceptible aux néophytes, ni le fond socio-culturel et historique du jeu.
La comparaison du jeu de combat avec le jeu d'échecs a souvent été faite pour anoblir un peu la discipline, peut-être, et pourquoi pas. Si a priori le jeu de combat se rapproche plus du sport de combat que du jeu d'échecs, il y a bien également des boxeurs connus comme joueurs d'échecs, les frères Klitschko, Vitali et Vladimir Klitschko, Lennox Lewis, et on peut encore aussi noter l'existence du chess boxing comme discipline sportive. Mais je ferai le parallèle plus littéralement. Plutôt que comparer les systèmes, je regarderai les récits implicites. Le jeu de combat convoque des figures, des pays, il raconte à l'arrière-plan un ordre mondial, comme le jeu d'échecs et ses pièces, personnages, doublons, son line-up évoluant selon les époques et les pays, etc. Le lien simpliste que je ferai, c'est donc que jeu de combat et échecs sont une production humaine, sociétale, un écho du monde qui les entoure et les enfante. Il est donc peut-être utile de chercher des pistes socioculturelles japonaises avant d'explorer le jeu de combat. Sur YouTube, un dispositif d'appréciation des vidéos moins jugeant, moins binaire, marcherait sûrement aussi. Ce que Média de Masse propose, on accepte, sans doute. Si la télé arrêtait les polars, on lui en tiendrait rigueur le temps de s'habituer à autre chose, mais elle fonctionne aux intérêts politiques ou privés, à ne pas changer de normes. Le jeu de combat, c'est sans doute pareil. Il pourrait développer un contenu différent, mais il n'a pas intérêt à le faire. Suivre une tendance idéologique dominante est plus simple que prôner un modèle alternatif, et sans doute croit-on en cet imaginaire réactionnaire, patriote, viril, shonen, etc. Le jeu de combat n'est peut-être qu'un ensemble de boîtes de collision, mais il a un emballage très signifiant. La comparaison avec le jeu d'échecs a fait long feu, qui lui-même n'est pas neutre avec ses rois contre rois, éléphants byzantins, archevêques devenus fous selon pays, époque, on l'a déjà dit. Si en France, le jeu d'échecs traditionnel présentait Communard contre Versaillais par exemple, ça ferait sûrement un petit malaise chez certains que ça intéresse. Le Monopoly, récupéré par l'industrie capitaliste qu'il critiquait au départ, dont on trouve 1000 versions différentes à base de produits dérivés, c'est un peu pareil. Ça prouve que le décor importe, qu'il est même essentiel. Le jeu de combat raboté à des strictes boîtes de collision sans peau, même avec un système génial, je pense que peu de monde y jouerait. Désincarné, on verrait à quel point les apparences comptent. On ne parle pas de perso de cœur pour rien en pro-gaming, comme de club de cœur en sport. Le personnage est vecteur de système, et parfois presque finalité affective. Il doit attirer, créer un rapport au joueur par les détails, sexe et nationalité entre autres. Si tout n'était que boîte de collision, les commentaires de matchs pro-sportifs seraient informatifs, comme en shoot'em up par exemple, ou en sport olympique. Or, le vocabulaire charnel, maravesque, côtoie le technique, le cancel, etc. C'est un spectacle orgiaque. Bref, l'habillage compte vraiment. Il s'agit peut-être de masquer le fond, éloigner la remise en cause du système de jeu même, en variant à l'infini la surface pour noyer le poisson. Le Monopoly n'est pas d'une finesse ludique folle, mais c'est un des jeux les plus vendus au monde, et comme en jeu de combat ou d'opposition au premier degré, pas de surprise, la pensée réactionnaire a pignon sur bambin, certains jeux de combat sortent du lot côté représentation, comme Zero Divide, Primal Rage, Rakuga Kids, Toy Fighter, etc. Mais les archétypes sous-jacents y sont quand même assez éculés. Aucun jeu sur fond de publicité interchangeable en décor non plus, par exemple. Rares sont les jeux de combat remettant en cause le postulat ou l'effet de l'action combattue. C'est souvent peu narratif, où le récit se fait hors du jeu par livret, produits dérivés. Au mieux, le récit encadre l'action au début et à la fin d'une série de combats avec un même personnage. On facilite la consommation en arcade et la culture de tournoi, mais on amoindrit le potentiel dramatique. Avec des combats sans conséquences en termes de jeu, c'est aussi un choix économique. Quelques jeux essayent de faire un peu plus, Warzard par exemple, boss fight narratif, ponctué par le récit, et du fait de l'atmosphère, du dispositif, le combat prend ici un autre goût, ou encore Last Blade 2, jouable sans musique, juste les sons d'ambiance du décor, ou Ibiki par exemple, finit les duels en pleurs, en remords d'avoir ôté la vie. Certes, c'est oublié en quelques secondes, magie des panneaux et des menus vers un nouveau combat, mais ça laisse une petite trace, ça n'a pas le même poids ou le même effet. Un semblant d'empathie, autre chose que le sport,
Donc la morphologie express, sans état d'âme de certains jeux de combat, c'est aussi un choix, celui du sport dédramatisé. Sans agiter la vieille rengaine du jeu vidéo qui banalise la violence et nous ôterait toute empathie, on peut se poser la question après tout. On laisse les guerres se faire au loin ou tout près, matraquage policier à trois pas de chez nous, discours télé et cinéma américain où liberté veut dire toute puissance, modèle voulu mondial, et un jeu vidéo qui s'aligne là-dessus, démesure du héros, peu de construction collective honorable ou de déconstruction des modèles sociaux lambda qu'on nous balance à l'appel, tout ça participe d'un abandon de la pensée, de la lutte sociale, pour la protection de ce qu'il reste de nos droits et de ce qu'il y a à reconquérir. Le jeu de combat est donc un acteur, comme les autres, du vide humain. Le sujet est immense, il faudrait un historien en histoire internationale, expert du Japon également, et historien du jeu vidéo, de combat particulièrement, doublé d'un joueur pro, idéalement, pour explorer tout ça. Bon, moi je suis rien de tout ce que je viens de dire, mais je vais balbutier ce que je peux. Rejeter le jeu de combat en bloc, d'abord, ça serait dommage. J'ai adoré ce genre, dont émergent des choses fascinantes, mais ne pas l'interroger serait tout aussi regrettable. Et de fait, la question du nationalisme, par exemple, se pose. Les personnages viennent souvent de vrais pays. Certes, il y a aussi le jeu de combat science-fiction, fantasy, Astal Superstar, Primal Rage, mais c'est plus l'exception que la norme. La norme, ce sont des vraies nationalités et des décors des pays en question, cadre cyberpunk ou post-apocalyptique inclus. Nationalisme n'est certes pas le premier mot, forcément, qui vient quand on parle de jeu de combat, mais je crois que ça ne dénote pas non plus. Récemment, le jeu Fiscal Combat éclaire par exemple la possibilité d'expression politique et nationaliste en jeu de combat et beat'em all de façon explicite. L'attrait du genre tient aux personnages, aux atmosphères colorées, excitantes ou agréables, aux gestes vivants, sentiments charnels, et bien sûr à des mécaniques intéressantes. C'est un ensemble dans lequel la représentation nationale occupe une grande place. Surexpression japonaise peut-être, et quasi absence par exemple de la Malaisie, Inde, Philippines, terre d'invention martiale pourtant, le jeu de combat à line-up international pourrait être l'expression de moult foyers martiaux, anciens ou modernes, Silat, Bersilat, Penkak, Pengak Silat, Kali Arnis Eskrima, Wing Chun et pléthore de branches chinoises, Kalari Payat, Jujitsu Gracié, Jeet Kune Do, Goriza, Sambo, Danse du Zèbre, Capoeira Angola, Régional, Savate, canet bâton, double canne, boxe française, KC, self-défense, MMA, etc. Mais tout ça est assez sous-représenté, comme nombre d'autres cultures martiales, un spectre atrophié. Le jeu de combat jongle entre omission ou surreprésentation qu'on pourrait étudier de chaque discipline sportive, martiale ou encore pays. Toute une affaire de représentation dont on peut au moins discuter. Yusaku de Last Bronx ou Billy Kane avec leur Sansetsu-kon, tribâton à nom japonais, d'origine chinoise, dérivé du fléau et ou d'autres armes telles le sai, nunchaku, fossile, tonfa d'Okinawa, avant que l'île ne soit japonaise, terre d'origine de la main d'Okinawa, devenue karaté. Bref, on peut y voir l'expression d'une tradition supra-japonaise, ou l'appropriation d'un chant étranger au kobudo, c'est-à-dire la pratique d'armes en arts martiaux japonais. À un degré plus ou moindre, tout cela joue comme objet d'identité et de fierté nationale. Le nunchaku, par exemple, est très connoté chinois. Un film au héros nippon utilisant un nunchaku, je pense que pas mal de monde y verra une récupération de l'imagerie Bruce Lee ou d'une forme culturelle chinoise selon le point de vue. On pourrait penser la même chose du tribâton en jeu vidéo, par exemple, manifestement chinois dans les films La Vengeance de l'Aigle ou Le Boxeur Manchot, mais ça serait aussi jouer le jeu de cette obsession des origines qui anime tristement certains courants de pensée. Bref. Le Japon n'étant plus puissance économique si bien placée, les line-up pourraient évidemment évoluer, mais la proportion indienne, chinoise, thaïlandaise, coréenne, vietnamienne, malaisienne restera, à mon avis, minime. Mais qui sait à quel point le Japon pourra maintenir des compositions qui expriment ses visions du monde, ses propres fantasmes face à ce que les États-Unis et le reste du monde montreront face aux réalités démographiques et médiatiques qui l'entourent. Jusque-là, le Japon a su opérer en vase clos, mais qui sait si le besoin de vendre et de plaire vraiment à l'international ne va pas l'obliger à réviser ses personnages, ses préconçus, ou si le Cool Japan saura rendre encore plus attrayants les archétypes que les Japonais aiment eux,
au reste du monde. Fighter's Impact sur PlayStation est à ce titre intéressant. Chaque personnage 3D dispose de plusieurs styles martiaux différents. On casse avec la constante Casablanca, voulant qu'un personnage égale un pays, notamment par culture gestuelle et martiale propre, le sumo devant être japonais et non hawaïen par exemple. Ici au contraire, on profite des modèles 3D pouvant chacun accueillir divers styles par personnage. Par exemple, Bernard pratique un style chinois et deux autres japonais. Ça mélange pas mal, même si franchement le jeu de combat est loin d'être le genre vidéoludique de l'amour, l'échange, l'art martial qui nous éveille à nous-mêmes ou tout autre cliché. Le jeu fondateur Street Fighter 2 est aussi sous-titré World Warrior, il faut le rappeler. La notion militaire est donc plantée dans le titre même de l'opus phare. Les rapports de force, valeurs des différents personnages, tout cela fabrique aussi un discours tacite dont on se fait récepteur voire propagateur en jouant. On épouse le personnage et on valide un peu les thèses sous-jacentes au passage, sans forcément les comprendre. Ryu, japonais, héros légendaire. Zangief, russe, massue, bébête, dont les coups s'appellent atomique ceci ou cela, etc. Le Japon est force d'auto-persuasion et de superstition. Le jeu de combat a quelque chose de ça. Street Fighter 2, c'est le fantasme japonais par excellence. Fort, lourd de sens, comme quand dans Soul Blade, Mitsurugi affronte Tanegashima. Seul passage du jeu en vue subjective, pour pouvoir esquiver les balles, certes. Discours national symbolique de la force du Japon face à l'étranger, capacité à le dépasser, le vaincre, etc. Quelques jeux parlent du Japon indirectement, je crois. Silhouette Mirage et sa ville où le silence est un idéal défendu par un samouraï, avec autodérision. Nier et Façade, sa ville à la loi obsessionnelle. Mother 2 et le village Tenda, peuple qui dépasse sa timidité grâce à un livre, etc. Les villes hautes et basses, les shitamachi pauvres, même dans la représentation de l'étranger, on convoque souvent le Japon. Actraiser avec le yokai Wanyudo en décor oriental, ou bien des Tengu en décor occidental, comme l'héroïque fantasy Isekai, avec quand même, presque à chaque fois, un ninja. En Occident, pareil, dans le peu de médiéval fantastique asiatique que l'on produit, on ne peut pas s'éviter un héros occidental, dans The Warrior's Gate, The Great Wall. Là-dessus, les Japonais ont produit bien plus d'ouverture sur l'imaginaire étranger sans doute. L'après-Seconde Guerre mondiale y est probablement pour beaucoup. Tout est affaire de point de départ. Aux États-Unis, on estimera que jouer un soldat croisé chrétien n'est pas un problème. Jouer un djihadiste, si. Et si, en Occident, jouer des personnages historiques japonais, notamment présents en jeu de combat, ne fait pas débat, c'est parce qu'on connaît assez peu l'histoire nippone. Et il faut peut-être aussi chercher à lire et comprendre le jeu de combat au regard des particularités socio-culturelles de ce pays donc, ce que je vais tenter de faire avec mes maigres connaissances, et je m'excuse d'avance si ça fait cliché. Par exemple au Japon, la tradition martiale est un symbole national. C'est pas pour rien que MacArthur, occupant le Japon à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, y interdit la pratique des arts martiaux locaux, et une défaite sportive mondiale en judo, karaté, n'y a pas le même retentissement national qu'une défaite au championnat du monde de boxe française en France, par exemple. Au Japon, la question du rapport de force dans les relations est aussi sûrement essentielle, comme celle du paraître, par exemple. Concept de omote et ura, apparence et idée derrière les choses, eh bien il y a dans le dispositif du jeu de combat quelque chose de cet ordre, un lieu d'artifice social, notamment en mode taizen, en arcade, où l'adversaire reste caché, borne dos à dos, où seul l'avatar existe dans un monde à 180 degrés en 2D traditionnel, sans contre-champ, où tout se constitue en rapport de force et compétition, échelonnage hiérarchique jusqu'à la victoire, abandon des joueurs plus faibles qui n'ont pas le droit à une fin narrative, etc. On peut aussi penser qu'au Japon en particulier, la norme vaut comme loi. Culte de l'obéissance, dévotion d'une femme, disciple, vassale, suicide en masse à 47, ou encore chien Hachiko qui n'existe que dans l'ombre du maître, et qui, une fois ce dernier mort, se laisse dépérir en toute fidélité, servitude à son paroxysme devenu icône à sa propre mort. Bref, on valorise effort, souffrance, abnégation, soumission, structure sociale rude voire perverse, toute une idée du travail aussi. Hachiko, surnommé Chuken, chien fidèle, est un peu comme Galford et son chien fidèle Poppy, fidèle jusqu'à sa descendance même, qui prend la suite. Il y a certes également des héros d'insoumission,
Rikiro, Kozure Okami, Ashtanojo, se définissant eux-mêmes comme loups solitaires par opposition aux chiens fidèles, mais ça reste marginal, et surtout, il faut un pouvoir explicitement corrompu, pervers et monstrueux en face. Bref, toute une idée de l'héroïsme et de l'archétype comme outil idéologique consensuel. Kenshin est par exemple un assassin révolutionnaire qui jure de ne plus tuer, mais la série est assez conservatrice dans sa vision sociétale, dans son ensemble, l'homme protecteur, le pouvoir légitime, etc. C'est le héros shonen qu'on admire parce qu'il nous dépasse, inaccessible et écrasant, formule commune à Hollywood par exemple. Enfin, je propose aussi cette piste de lecture, celle de la quête de reconnaissance mondiale, notamment face aux États-Unis, qui sont conclusion de toute chose, dernier des Mohicans, joué par Daniel Day-Lewis, Red Bashing, ou dernier des samouraïs symboliquement plus Tom Cruise que l'acteur japonais, même lorsqu'il s'agit du dernier des Indiens ou quand Dustin Hoffman joue dans Little Big Man. Parler d'Indien reste difficile sans un héros blanc. La notion d'identité du héros ronge le film hostile encore aujourd'hui. Bref, à la force du discours, au pouvoir idéologique hollywoodien, il s'agit pour le Japon d'opposer un modèle alternatif, basculer le centre d'intérêt du pouvoir. C'est sans doute l'enjeu du Cool Japan, dont je vais lire et traduire quelques bouts de définition Wikipédia. La notion de Cool Japan, ainsi que celle de Cool National Brut, le mot cool remplaçant produit, sont une expression de l'émergence d'un statut japonais comme superpuissance culturelle. Acquérant une large visibilité dans les médias et les universités, l'appellation Cool Japan a été adoptée par le gouvernement du Japon en vue d'exploiter le potentiel commercial de l'industrie de la culture nationale. Ce phénomène a été décrit comme une forme de pouvoir doux, habilité à influencer indirectement les comportements ou intérêts via des moyens culturels ou idéologiques. Suite aux destructions de la Seconde Guerre mondiale, le Japon espère améliorer son économie et son image nationale en distribuant sa pop culture à travers le monde, en particulier dans l'Asie de l'Est, pour accroître les alliances avec les pays voisins et améliorer sa réputation. A contrario de son histoire de pouvoir militaire fier, le Japon décida de se présenter comme pouvoir souple dans l'intention de changer la perception extérieure de leur pays. Le but est d'accroître le succès de leur pop culture dans d'autres pays. Culture jeune, J-pop, manga, animé, fashion, film, électronique, architecture, cuisine, et le kawaii, à travers des objets comme Hello Kitty, l'hégémonie Pokémon, etc. Ça, c'est moi qui le rajoute. En 2005, dans une conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères associe le concept de Cool National Brut à celui du Bhoutan, de Bonheur National Brut. En 2010, un éditorialiste du Yomiuri Shimbun reproche au gouvernement de ne pas en faire assez sur ce terrain, laissant la Corée du Sud se développer en tant que compétiteur. Laura Miller a critiqué la campagne Cool Japan comme exploitant et représentant mal les sous-cultures de la jeunesse, leur mode vestimentaire et langage. Benjamin Boas pointe aussi que cet effort se fait généralement sans la participation d'étrangers qu'elle essaye précisément de toucher. Nancy Snow décrit ce concept comme forme de sponsorisation nationale, culturelle et de propagande. Le chanteur japonais Gackt critique un grand budget sans idée derrière, beaucoup d'argent perdu dans les impôts et des petites compagnies peu connues, faisant reculer le Japon derrière ses voisins asiatiques en termes d'export culturel. Le gouvernement japonais a identifié l'industrie culturelle comme une des cinq sphères de croissance potentielle. En 2010, le ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie met en place un bureau de promotion des industries créatives comme secteur stratégique, sous la simple appellation à long terme de Cool Japan, coordonnant diverses fonctions gouvernementales et en coopération avec le secteur privé. Le ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie annonce que la pop culture japonaise est un des éléments clés du Cool Japan et que cette pop culture inclut les idols, animés et la nourriture de second ordre type ramen, yakitori, maki, peu cher, rapide, pratique et typiquement japonaise. Le directeur général décrit sa mission comme « devoir de marketer les produits japonais avec la particularité unique de leur culture » pour un budget de 19 milliards de yens en 2011, soit 0,79% des dépenses nationales totales, fin de citation. Donc presque 1% des dépenses d'État pour des industries et des produits privés. Le capitalisme pèse au Japon avec des investissements publics en santé, sécurité sociale parmi les plus bas de l'OCDE, avec dette à 240%, taux de pauvreté élevé et impératif historique de MacArthur de repousser le communisme. En 2004, selon l'OCDE, le Japon a le quatrième taux de pauvreté le plus élevé de ses 30 pays membres. En 2006, le gouvernement estime que 15% des Japonais ont moins de la moitié du revenu médian annuel de l'époque, équivalent 8 500 euros. Bref, compétition,
toyotisme banalisé, l'entreprise japonaise est liée à l'idée de l'État et même par l'entremise du Shinto, religion nationale. En kanji, entreprise s'écrit « sanctuaire ». À Fushimi Inari, on déambule entre les tori, au nom d'entreprise gravé entre chaque porte de cet espace sacré. C'est la notion de bonheur intérieur brut comparée à la politique du Cool Japan. À Tokyo, c'est le Resident Evil Café, le Pokémon Café, le Gundam Café, les statues d'Oraimon en masse à Tokyo ou Hong Kong pour le centenaire de la série. Bref, les objets culturels industriels sont partie active du paysage urbain et s'exportent assez bien. En tout cas, il y a un contexte, et j'inscris le jeu de combat dans le Cool Japan, entre autres influenceurs idéologiques. Le simple dispositif arcade pourrait être interrogé, profusion de joueurs adversaires inconnus en mode Tyson, défaite qui coûte cher, le meilleur qui joue le plus longtemps, cadre compétitif capitaliste poussant le niveau des joueurs japonais, etc. Toute une idée de la compétition positive. Le Cool Japan, au fond, c'est un discours de positivation industrielle. Toyota et Street Fighter 2, Hokuto no Ken en publicité, dépliant Shenmue Sacred Spot à l'office du tourisme de Dobuta, Mario et les Jeux Olympiques, One Piece partenaire de pléthore de marques, Fanta, etc., lier la création industrielle à l'urbanisme ou aux projets sociopolitiques est courant au Japon. L'épisode Pokémon de South Park, Shin Pokémon, comique bien sûr, éclaire en fait assez bien le Cool Japan comme guerre économique industrielle qui nécessite de flatter un public. Le gouvernement américain te ment, rejoins le combat pour la suprématie mondiale japonaise. Vous les Américains, wow, vous savez de gros pénis, de non pénis énormes. Messieurs, dames, j'ai vraiment été ravi de vous rencontrer. Je voulais juste vous signaler ce petit dysfonctionnement dans vos jouets. Bon, allez, salut. Au revoir, très honoré de votre visite avec votre gargantuesque pénis. Le fidéliser et diffuser des valeurs auprès de ce public étranger, opération dans laquelle la collusion entre intérêts privés et d'État se fait donc facilement. La plupart des pays se veulent attractifs. Je ne reproche pas plus le Cool Japan au Japon qu'autre chose. Mais ce mouvement ne dit pas tout, il ment par omission. Son caractère cool est peut-être aussi très vieux jeu. Cool, après tout, c'est déjà has-been, comme has-been d'ailleurs. Qui sait, bientôt le Fresh Japan, peut-être. Et je ne dis pas ça pour l'obsession du folklore qui transpire du Cool Japan, mais pour les idées sociétales qui y sont exprimées. Réussite à tout prix, travail obsessionnel, misogynie, culture de la compétition, etc. Le fun se vend à ce prix-là, et on va le voir plus en détail dans l'émission suivante.